bonjour à tous et à tous, c'est les Flambis Soviétiques. On est de retour pour une nouvelle vidéo de tout simplement Parlons-en. Et aujourd'hui, ce n'est pas une pipe, mais avec un stylo que je vais m'amuser. Bref, donc aujourd'hui, on va parler de tout simplement d'un sujet qui me tient à cœur. C'est tout simplement Allez, vous allez trouver, ça commence par un P. Le putaclic. Alors, qu'est-ce que le putaclic, vous allez me dire? Pour ceux qui vivent dans une grotte depuis 2015, voire même avant. C'est tout simplement le fait. Dans une vidéo, en fait, c'est d'aguicher les personnes pour qu'ils viennent cliquer sur la vidéo. Et ça date depuis longtemps. Hein. Faut savoir que le putaclic, ce n'est pas que un phénomène par rapport à YouTube. Hein. C'est aussi un phénomène sur, par exemple, dans les journaux aussi. Hein, des titres, en gros, c'est un titre bien accrocheur. Voilà, il a fait ci, il a fait ça. No fake, pas d'explication. Bon, voilà, hein, à une époque aussi, dans les journaux, vous voyez ça à la télé. Un peu partout. Sauf que il est beaucoup plus prononcé actuellement aujourd'hui sur YouTube, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, c'est ça. Le putaclic, c'est tout simplement mettre une miniature dégueulasse, une miniature qui a aucun rapport avec la série. La série, attends, je vais un peu me décaler. Voilà, comme ça. Qui n'a aucun rapport tout simplement avec le avec la vidéo ou même voilà. Hein, une miniature où on te met quoi? On te met une meuf à moitié à poil, on te met Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur Je me balade dans une forêt hantée, qui est un exemple même de putaclic sur ma chaîne. Voilà, oui, même moi j'en ai fait pour l'exemple, pour montrer que c'est du gros foutage de gueule le putaclic, tout simplement. Bref, et du coup, voilà, c'est mettre un titre en gros en gras. Pour que les gens ils se disent, oh mon dieu, oh là là, il se passe un truc, et un titre qui a souvent aucun rapport avec la vidéo, c'est-à-dire par exemple, tu fais une vidéo, alors là j'ai toujours m'en rappelé, c'est un truc incroyable, c'était, je sais plus quelle vidéo, mais c'était une vidéo de Pink Geek, je sais pas si vous connaissez, bon bref, c'est la meuf à Monsieur Levinouz. C'est Madame Levinouz si vous préférez, bref, qui avait dit un truc sur Black Ops 3 à l'époque, une vidéo sur Black Ops 3 qui elle-même avait repris le truc d'un autre gars et le titre avait aucun rapport avec ce qu'elle disait. C'était incroyable. J'ai vu ça, j'ai fait oh, mais c'est fou. Donc en gros, voilà, on peut mettre des titres putaclic qui n'ont aucun rapport avec la séquence ou bien, il y a une séquence qui correspond au titre de la vidéo et qui dure que même pas 10% de la vidéo. Voilà, en gros, la vidéo, en gros, sur 10 secondes, t'as le moment. Voilà, comme ça le mec il se dit, oh c'est bien, bref. Donc voilà. Et du coup, le putaclic, voilà, c'est clairement ça. C'est en fait, et grâce à ça, en fait, ça permet d'être mieux référencé. Tout le monde le fait, même Squeezie l'explique sur sa chaîne, sur une vidéo, comment avoir des abonnés. Tu fais du putaclic, voilà, c'est en gros, tu fais de la merde, t'as des abonnés, voilà. Et je trouve ça franchement dommage, mais je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui, on est actuellement en train de te promouvoir le putaclic. Alors que ça devrait être pointé du doigt, ça devrait être interdit, c'est immonde le putaclic, c'est immonde, vous ne pouvez pas savoir comment c'est cancer le putaclic, c'est incroyable, c'est tout le putaclic de The Carry machin, c'est immonde. Ah je vous assure les mecs, quand tu vois que Squeezie fait une vidéo en disant comment avoir des abonnés, et il te parle du putaclic quoi, non mais... Et après, vous venez me dire qu'il y a un avenir à YouTube. Un avenir à YouTube avec du putaclic. Ouais, non, mais les mecs, arrêtez. Arrêtez un petit peu. Arrêtez de croire que, voilà. Bah ouais. Faut arrêter un petit peu. Donc, le putaclic, ouais, tout simplement. Ça permet à des vidéastes comme Squeezie, machin et tout, de se faire beaucoup plus de pognon. Voilà, c'est tout. Hein. Sauf que toi, ça t'apporte rien au final. Hein. Ça t'apporte juste... c'est en gros... te prendre, toi qui regarde la vidéo, c'est te prendre pour un con, c'est tout, ça ne sert à rien, voilà, parce que tu cliques, parce que forcément le putaclic, le but c'est que tu cliques sur le putaclic, tu le cliques, et oui, et problème de ça, c'est que ça devient addictif, parce que tu tombes sur des trucs, tu te dis, oh putain, ouais, elle a fait ça, alors pour les plus demeurés d'entre vous, il y aura écrit en gros, en gras, oh mon dieu, je me suis retrouvé agressé par des mecs, ne fait que pas d'explication. Les gens, bon, alors t'as toujours deux trois naïfs hein, qui sont là, qui sont oh mon dieu, c'est fait vraiment agresser. Alors bon, que tu vois à des kilomètres que c'est ses potes et que comme par hasard, le mec il tourne dans la rue, paf, il y avait trois mecs qui étaient là, comme par hasard, j'ai envie de vous dire qu'il attendait, comme par hasard, j'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Et comme par hasard, ces mecs, eh ben, ils étaient armés, et lui, comme par hasard, eh ben, il avait un truc,
comme par hasard, hein, un peu comme Ibra TV, à l'époque où ils faisaient pas mal de vidéos fake, mais ça c'est notre sujet, n'est-ce pas? Enfin, c'est assez lié, hein, le putaclic, les vidéos fake, voilà. Généralement, tout ce qui est putaclic, ça reste un petit peu du fake aussi, quand même. Alors, il peut y avoir des vidéos putaclic, mais qui sont juste là pour t'informer de 2-3 trucs ou pas. Et d'autres trucs, alors là, maintenant, je m'amuse avec une belle agrafeuse, regardez, une belle agrafeuse. Voilà, voilà, j'ai avec ça à faire de ma vie. Oui. Donc, du coup, oui, voilà, c'est quand même fou que le putaclic, c'est aujourd'hui, tu te dis, les mecs te vantent le putaclic, alors que normalement, ça devrait. C'est juste. Je comprends pas. Je comprends pas. Faut m'expliquer, parce que soit je suis complètement débile, ce qui n'est pas le cas, soit je suis complètement débile aussi. Mais voilà, je suis désolé, hein. Si t'es censé 2 minutes dans ta tête, tu te dis, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Même le putaclic qu'il y a eu sur tout ce qui était GTA V, tu te dis, wow, mais quel foutage de gueule, mais quel foutage de gueule. Oh, je me rappelle, hein, c'est comme la chaîne communautaire appelée Comedy Club, putain, mais cette chaîne, elle sert à rien, elle sert à rien, elle sert à rien, que du putaclic, les mecs, que du putaclic, y'a que ça, c'est immonde, on met un smiley, un truc, une meuf à moitié à poil, t'es en mode, oh, des titres à guicheurs, mais comme jamais, GTA V, je vous jure, GTA V, titres à guicheurs. Elle jouit dans le jeu et tout, machin, bon. Alors t'as la vidéo, elle dure 5 minutes, hein, parce que normalement une vidéo putaclic, bon, hein, on fait un petit temps comme ça, voilà, ou voilà, pour pas non plus trop que les gens regardent en boucle, hein, tu vois. Et du coup voilà, donc le mec il dit ça, la meuf il lui dit bon tu fais ci, tu fais ça là, dans le jeu, dans GTA 5, la meuf fait ok, et à la fin le mec il dit, à la fin de la vidéo, il reste 10 secondes, top chrono, le mec il dit, et, bah vas-y, et un truc comme ça, comme ça, et voilà. Fin de la vidéo. La vidéo se finit sur ça. Voilà, t'as perdu à peu près 5 minutes de ta vie sur une vidéo dont toute la vidéo, sauf à la fin, on s'est foutu de ta gueule. Voilà, tout simplement, tout simplement. Tout simplement, voilà. Voilà, mais bon, ça c'est. On peut rien faire parce que le problème du putaclic actuellement, c'est que ça marche. Et vu que ça marche, bah, il faut dire aux gens, arrêtez. Et arrêtez, j'insiste. À tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils soient youtubeurs ou pas, arrêtez de faire du putaclic, même si vous savez que ça marche et tout, arrêtez, juste par une simple question de morale, les mecs, arrêtez de faire du putaclic, arrêtez, quand même. Vous avez quand même un minimum de dignité, sauf les grands youtubeurs, apparemment, hein. Quand j'apprends actuellement que Thibaut Duchap fait payer ses abonnés pour faire un compte abonné, j'ai envie de te dire, voilà, et le mec après. Insinue que tes potes avec ses abonnés, c'est un truc de fou les mecs, c'est un truc de fou. YouTube, ça devient du gros n'importe quoi, moi je vous le dis clairement. Et ouais, donc du coup ouais, le problème du putaclic, c'est un peu comme une drogue en fait, c'est que dès qu'on y a goûté, bah on continue, voilà. C'est instinctif, hein. C'est, tu vois une vidéo, tu sais pas, c'est psychologique là, mais bon, je ne fais pas de psychologie, que je suis pas psychologue, que j'ai pas fait tout ce qui est psychanalyste et etc etc, je ne peux pas en parler tout simplement, bref, mais je pense qu'il y a vraiment vraiment un côté c'est sûr, il existe un côté psychologique dans ce truc du putaclic, parce que t'es obligé à chaque fois que tu vois un truc putaclic, tu te dis, même si c'est putaclic, même si tu détestes le putaclic, tu te dis putain vas-y c'est putaclic, et tu veux vérifier par toi-même si la vidéo est putaclic, et donc c'est ça le problème. Et le problème c'est que c'est que ça fait des vues, et les youtubeurs, et ben, ils s'en battent les couilles parce que eux ils se font de la thune, voilà. Ouais, tout simplement. Ah, mais le putaclic, si ça marche, il y aurait pas des chaînes de Fortnite qui auraient gagné 100 000 ou 600 000 abonnés. Bah ouais. Il y aurait pas de Topito, enfin, il y aurait pas de Topito, il y aurait pas de chaîne de top, tout pourra. On te dit, quel est le top des recettes cuisine, quel est le top. Attendez, on s'en fout. Si t'as envie de faire la recette de grand-mère, tu fais la recette de grand-mère. Si t'as envie de faire des pâtes, tu fais des pâtes. Voilà, je suis désolé. À un moment, YouTube, ça devient n'importe quoi, je vous dis, les mecs. Le seul qui fait pas du putaclic encore, c'est Mohamed Dini. Il pète des télés, et c'est vrai, il pète des télés. Voilà, le seul YouTubeur qu'on peut encore respecter aujourd'hui, quoi. Non, mais c'est incroyable que je dise ça, alors que le mec, il pète des télés, quoi. C'est fou. Bref, j'aime bien Mohamed Dini, hein, faut pas croire. C'est très drôle, très, très bon gag, très bon sketch. Et ouais, ben bah, voilà, écoutez. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Le putaclic, c'est juste dégueulasse. Faut juste que tout le monde arrête. Voilà, je pense que il faut clairement arrêter ça un jour ou l'autre, parce que sinon, je pense qu'il va y avoir un ras-le-bol général des abonnés. Mais bon, le jour où les abonnés auront ras-le-bol, un peu comme les gilets jaunes, bah, on verra ce qui se passera, hein, n'est-ce pas?
De toute façon, les youtubeurs, bon, ils vont tous se reconvertir comme comme acteurs, doubleurs de films, etc., etc., ou même dans des jeux vidéo. Hein. Hein, faut voir que McFly et Carlito ont fait une chanson sur le titre, c'est « On ne porte pas de sous-vêtements ». Et cette chanson, « On ne porte pas de sous-vêtements », a été intégrée à Just Dance. Non mais les mecs, Just Dance, Just, you know what I mean. Ce truc a été intégré à Just Dance. Non mais attendez, les mecs, on va où? Et le prochain titre de Just Dance, ça va être quoi? Ça va être la chanson Cyprien Squeezie, ça va être quoi encore? Non mais attendez, arrêtez les mecs, arrêtez. De moi aussi, je peux faire de la chanson, c'est bon, arrêtez. Oh non, mais c'est pas croyable, ça, c'est pas croyable. Ah, c'est fou. Autant je veux bien que Ubisoft promouvoie des youtubeurs, mais des vrais youtubeurs qui chantent, qui ont une voix, que ça, je suis désolé. McFly et Carlito, tout ça pour se faire juste de la pub, voilà, tout simplement. Je trouve ça dégueulasse. Bref, ouais, donc le putaclic, c'est vraiment... Le pire, c'est les youtubeurs qui forcent beaucoup sur le putaclic, qui est très forceur, hein, putaclic, bien forceur, bien machin. Et problème du putaclic, c'est que... on en a marre, quoi. Moi, personnellement, j'en ai marre, je ne peux plus. Une vidéo de Squeezie, je ne peux plus la regarder. Voilà, je suis désolé. Les vidéos de Damisem, je ne peux plus regarder. Je ne peux plus regarder de vidéos de grands youtubeurs parce qu'ils ne font que ça. Que ça du putaclic depuis 2015, notamment. Bah tiens, comme par hasard, quand YouTube a changé son modèle de monétisation, la personne a gueulé, forcément, parce que là, ça fait des monétisations. Par contre, pour l'article 13, là, bien sûr, quand c'est question d'argent, forcément, les gens, ils gueulent. Voilà, c'est tout. Ah putain, ça aurait été des valeurs ou autre chose. Non, les gens, ils auraient pas gueulé, ben voilà. Non, mais franchement, ça devient n'importe quoi. Et les youtubeurs qui utilisent trop le putaclic, qui s'en ont rien à foutre. Ils utilisent du putaclic et après ils font « Ouais, j'utilise du putaclic !» Et alors, ils en ont rien à foutre. Est-ce que... Et après, Jean-Kevin, Dylan, machin de 13 ans, ils arrivent et ils disent « Ouais, le youtubeur, il me dit « Salut les amis, donc c'est mon pote. » Mais frère, s'il te dit qu'il s'en bat les couilles de toi, qui s'en bat les couilles de faire du putaclic, c'est pas ton pote, réfléchis deux minutes, non mais c'est bon, faut arrêter un petit peu de croire que Squeezie c'est le pote de tous les Français aussi, non mais arrêtez, mec, je commence à m'énerver, ça va encore m'énerver, déjà que j'ai mal à la voix, je suis malade, je suis obligé de faire une vidéo parlons-en sur le putaclic quoi, tellement qu'on n'en parle pas, assez, c'est incroyable ça, on préfère parler des merdes de coups de je sais pas quoi, des saisons de Fortnite de merde avec bonhomme de neige, je sais pas quoi, que de parler d'un problème sur YouTube qui est le putaclic. Je suis désolé, faut dire, il y en a marre du putaclic. À un moment, faut. Voilà, si tu veux faire une vidéo, tu fais une vidéo normale sans putaclic, sans rien, tu te fais moins référencer. Attendez, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ben non, je suis désolé. C'est pas normal qu'une vidéo qui doit être de même qualité, hein. Voilà, on prend deux vidéos distinctes, de même qualité, une avec un titre à cliché en disant OMG, j'ai fait ci, explication, enfin avec trois petits points et une miniature bien aguichante, avec bien évidemment la flèche rouge qui pointe sur un truc pour montrer au gars, vas-y, clic, et à côté tu prends la même vidéo, sans putaclic, avec une miniature qui ressemble à la vidéo, hein. Et un titre en minuscule, qui est, enfin en minuscule sauf les majuscules de début, n'est-ce pas? Et voilà, une vidéo qui ressemble bien à la miniature. La vidéo qui reste clean, comparée à la vidéo putaclic, et ben la vidéo clean qui est là, et ben, elle se fait, hop, elle passe sous le bureau, elle fait, ouh, elle baisse, elle fait pas de référencement, elle décolle même pas, alors que celle putaclic, et ben, elle augmente. Et c'est pas normal, je suis désolé. À un moment, on devrait être tous sur YouTube, je suis désolé, le référencement, ça devient n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça fait 15 minutes, j'en ai marre de parler de ça, les mecs, parce que franchement, le putaclic, je vois même pas pourquoi vous continuez, quoi. Je vois même pas. Bon. Alors après, on peut pas faire compte non plus. Si un gars a envie de faire du putaclic, il le fait, forcément. Mais à un moment, j'ai envie de te dire, il faudrait peut-être commencer, tous les grands YouTubeurs qui font aucun effort sur ce côté-là de YouTube, on devrait commencer plutôt à inciter les gens à refaire des vidéos sans putaclic quand même. Voilà, je suis désolé parce que voilà, je sais que c'est leur métier qui gagne de la thune et tout, mais je suis désolé. YouTube, c'est pas que ça, il y a aussi de vrais passionnés qui gagnent pas d'argent et qui font ça un peu par bénévolat. Voilà, eux ils gagnent pas d'argent et pourtant ils font des contenus même de meilleure qualité que les grands YouTubeurs et ils font pas de putaclic. Voilà, je suis désolé.
Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a du cas par cas, du machin. Écoutez, s'il fallait faire du cas par cas, je pense que, parlons-en, ça durerait pendant plus d'une journée, voire même 3 semaines pour essayer de faire tout le truc, voire même plusieurs années, parce que toutes les couilles qu'il y a sur YouTube, c'est pas croyable. C'est pas croyable, hein, je peux vous le dire, c'est pas croyable. Pourquoi j'ai pris la scène du Sud? Je ne sais pas, pardi. Bon, voilà. Donc du coup, on va finir sur cette vidéo putaclic avec une petite conclusion. On va conclure sur, en fait, qu'est-ce qu'on va conclure sur quoi? Eh ben, on va conclure en disant que le putaclic, c'est juste, c'est chiant. C'est juste plus d'intérêt aujourd'hui. Voilà. Pour moi, le putaclic, ça a plus d'intérêt. Et je pense que je suis pas seul à le penser, parce que franchement, si je fais la vidéo, c'est qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi. Donc à un moment, voilà, je suis désolé. Le putaclic, franchement, ça ne sert plus à rien, ça... Et puis même, le putaclic, ça décrédibilise... Ça décrédibilise certains youtubeurs. Et je peux vous dire qu'il y a des youtubeurs, maintenant, ils sont casés dans des catégories. Hein. Ah oui, attends, parce que sur YouTube, il y a des catégories de youtubeurs. Il y a des youtubeurs côté, des youtubeurs machin... Et il y a eu youtubeurs putaclic, voilà. Et là, on met tous les youtubeurs qui font des vidéos fake, IRL... des pranks, hein, voilà, et tout, bon... Moi j'ai envie de dire, si ton prank c'est du fake, je sais pas pourquoi tu fais ça, mec. C'est juste pour de la thune, voilà. C'est juste pour te juste pour vous montrer que t'as des couilles, alors que bon, c'est du fake. Donc, intérêt, je vois pas. Je vois pas. Bon, sur ce, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du putaclic. J'ai dit ce que j'en pensais à peu près. Je pense pas que ça. Voilà, il faut vraiment, hein, faut vraiment que vous insistez. Arrêtez de regarder du putaclic. Moi j'ai arrêté. C'est assez dur de pas cliquer sur la vidéo, mais franchement, essayez, vous verrez que. Mais sans YouTube, hein, sans YouTube, en vrai, votre vie elle va nickel. Donc voilà. Voilà, à un moment. Donc voilà, franchement, je vous conseille vraiment d'arrêter de regarder des vidéos putaclic parce que ça ne vous apporte rien. Rien, ça apporte rien YouTube, hein, ça apporte rien du tout. On dit que oui, YouTube c'est fait pour justement détendre les gens, enfin, comment on dit déjà. Ah, j'ai oublié le mot. C'est pas détendre. Attendez, on va reprendre la pipe. Hop. Voilà. C'est pas pour faire détendre les gens. Moi je suis pas là pour les faire détendre, je suis pas là pour faire passer un bon moment, je suis là pour vous expliquer les trucs. C'est pour ça que ça s'appelle Parlons-en, parce que je suis là pour vous en parler. Et du coup, voilà. Donc faut vraiment arrêter le putaclic parce que ça porte rien à YouTube. Et YouTube d'abord c'est une plateforme de partage, je le rappelle plusieurs fois. C'est une plateforme de partage. Et voilà, c'est pas une plateforme où on se fout sur la gueule, quoi, je suis désolé. C'est devenu ça YouTube maintenant, c'est une plateforme où on se fout sur la gueule, chacun pour soi, et il veut putaclic, quoi, c'est ça, et c'est dommage. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, continuez à développer votre sens critique. Laissez des commentaires, un petit like, partagez, hein. Faites-en parler autour de vous pour comme ça avoir plus de personnes qui puissent débattre, réagir et ainsi de suite. Je vous dis à la prochaine, c'était les Formules Soviétiques, bye bye.